d'un navire gelé. Les voyageurs racontent qu'au milieu des glaces arctiques, ils rencontrèrent un vieux navire gelé par les hivers. Ils pénétrèrent, avec une terreur mêlée de respect, dans cette nef vide et froide où tout semblait métamorphosé par le temps. Les voiles, les agrès, les cordages. Ils peignent, d'une manière grave et puissante, le spectacle qu'on apercevait du Tillac à travers les embrasures de neige qui formaient ses bastingages. Le navire était immobile. Il en voyait au loin des Alpes vagabondes qui se ruaient les unes contre les autres avec un bruit épouvantable. Je me suis souvent rappelé cette image en entrant le soir dans une église dans ces grands vaisseaux de pierre à l'ancre au milieu des tempêtes et des roulis du monde qui défient les orages de leurs mâts de granit et de leurs voiles de marbre. On se sent saisi d'une sorte d'effroi curieux en songeant que cette barque pétrifiée, à bout de ne pas bouger des flots, elle vous conduit au port.